j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo haul retour action des colocs. Je sais que vous adorez ce genre de vidéo. Donc, on en a profité. On est allé à Action faire 2-3 courses. On en avait besoin. Enfin, 2-3 courses, tout est relatif. Donc, on en a eu en tout pour 47,62€. Je vous donne comme ça le montant de tous les achats qu'on a fait. Et on va commencer par de la nourriture pour chat. Alors, je précise qu'il va y avoir de la bouffe, il va y avoir un petit peu de tout. Mais on va commencer d'abord par la nourriture pour chat. Donc, on a un chat qui vient sur le balcon à peu près tous les deux jours selon les moments. Et je lui donne du lait très souvent, mais j'ai pas forcément des friandises ou des trucs. Donc j'ai acheté ceci, donc c'est des Purfection Delicious Café. Et c'est à combien ce petit bidule? Parce que là j'ai la note juste sous mon nez. Donc si la note. Donc c'était dans la semaine Action si vous cherchez à savoir. Donc pour le petit chat, on est à 1,49€. Donc pas très cher. Je lui en donnerai pas beaucoup. Mais bon, je me suis dit que ça pourrait faire plaisir. Moi j'adore les animaux, vous le savez. Ensuite, on a les traditionnelles bouteilles de Dr Pepper. Donc là j'en ai une, j'en ai deux. Et la troisième doit être totalement au fond, comme d'habitude. Parce que c'est pas drôle. Alors, pièce elle coûte 0,99€ et les trois à 2,97€. Donc c'est correct. Ensuite, on a des nouilles. Alors, nouilles au poulet, 1, 2 et 3. Nouilles au poulet à 0,37 pièces, donc ça nous fait du 1,11€, ce qui est correct honnêtement. Et si vous cherchez des alternatives au Yum Yum, mais que vous en trouvez pas ou parce que vous trouvez ça trop cher, ça c'est une bonne alternative au Yum Yum, je trouve honnêtement. Ensuite, on a également même genre mais aux légumes. J'ai envie de tester cela aux légumes. Donc celles aux légumes, ben, elles sont au même prix. Alors, nouilles aux légumes, elles sont à 0,37, donc pareil que les autres. Je vais les tester parce que, en fait, mes parfums préférés en nouilles instantanées, je sais que beaucoup ne trouvent que c'est pas bon pour la santé, mais quand vous avez rien d'autre sous la main, ça dépanne. C'est mes parfums préférés, c'est poulet, canard quand c'est possible, crevettes quand c'est possible et légumes quand c'est possible. Ensuite, on a pris, puisqu'on a un mariage ce week-end, on a pris un grand matelas gonflable comme ça. Ah, toc, 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 à combien il nous est revenu? Il nous est revenu à 9,99€, bon 10€ pour une personne. Donc voilà, matelas gonflable à gonfler à la pompe à vélo. Bah, je pense beaucoup rigoler ce week-end avec ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris des petits cadres pour mettre les photos de Salem. Pour ceux qui sont au courant, j'ai un chat chez mes parents qui s'appelle Salem, le chat noir. Si vous me suivez sur Instagram, vous le connaissez très bien. J'ai pris deux petits cadres comme ça pour mettre des petites photos de ce cher Salem. Et les cadres coûtaient, si je me souviens bien, 99 centimes. Toc, 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 toc. Il coûtait 88 centimes pièce, donc à 1,76€, ce qui n'est pas très cher. Je voulais pas des trucs un peu fins. Alors, ce qui m'embête, en fait, c'est que c'est un peu fin à l'arrière, mais bon, c'est pas grave. On fera avec, surtout pour tout ce qui est collant. Donc, on fera avec par rapport à ça. Ensuite, j'ai pris des rises qui sont à... Alors, les rises, elles sont à... Toc, 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 toc. 3,77, pardon. Donc, c'est pas excessivement cher. Les rises, alors, c'est des tartelettes avec du beurre de cacahuète au milieu. Si vous avez des problèmes de foie, je vous les conseille pas trop, ou alors de temps en temps. Moi j'aime bien ça de temps en temps, mais j'exagère pas trop avec non plus, parce que je sais que mon foie après me remercie énormément. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, j'ai pris également une grosse boîte de Beauty Blender, là, 12 pièces, à 4,59€. Honnêtement, il y en a 12, c'est vraiment pas cher du tout, compte tenu du fait que dans certains magasins, on vous fait payer le double pour quasi la même quantité, voire moins. Donc je pense que je vais en donner à mon coloc pour ses cosplays. Et moi, je vais en garder aussi parce qu'honnêtement, ça vaut grave le coup. Si vous en trouvez à Action, ça vaut vraiment, vraiment le coup d'en acheter. Et surtout, ça vous reviendra beaucoup moins cher. Ensuite, toujours dans le make-up, et je voulais trop les trouver. Je voulais trop me les prendre de chez Max & More. C'est les make-up pencils comme ceci. Donc, c'est des crayons de maquillage à 2,49€. Vous en avez 12 à peu près. Non, vous en avez pas 12, je raconte. Vous en avez 10 à ce prix-là, honnêtement. Prenez, par exemple, chez Maybelline Wire. Bon, ça vous revient beaucoup plus cher. Bon, par contre, c'est des trucs à tailler. Moi, ça ne me dérange pas. Je m'en fous énormément que ce soit à tailler. Ensuite, on a pris plutôt pour tous les deux, parce que ce soir, mon coloc à JDR et j'ai pas envie de faire la cuisine parce que je dois bosser. Des Indian Curry comme ceci, donc des plats instantanés. Je sais que c'est pas forcément très bon pour la santé, mais de temps en temps, ça dépanne. Alors, pour ceci, nous sommes à combien? On est à 2€ et quelques, si ma mémoire est bonne. 2,49€ pièce, donc du 4,98€ les deux.
deux, voilà. Alors le curry indien, je sais le faire, mais c'est juste que là, flemme. Ça nous arrive à tous d'avoir la flemme de faire à manger. Ne me jugez pas dans les commentaires. Ensuite, ah ça j'avais pas vu, il a pris des Kleenex, parce que oui, on est deux asthmatiques ensemble, et là avec les pollens et compagnie, on est très 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 content d'être toujours enrhumés. Donc, pour les Kleenex, on est à 0,99€, ce qui n'est pas cher du tout, parce que ça sert toujours. Ensuite, j'ai pris une Alaise pour mon lit. Alors, je vous montrerai une photo, je voulais le faire avec vous, mais honnêtement, ça s'est fait vraiment tard le soir, donc j'avais pas la foi. Donc, j'ai pris une Alaise pour mon lit qui sera un peu grande, je pense. Enfin, c'est un protège-matelas qui sera un peu grand, mais c'est pas grave à la rigueur, du moment que ça englobe, moi, ça me gêne pas trop. Et le protège-matelas, il était à 8,95€. Donc, si vous cherchez des protège-matelas, sachez que vous en avez à Action qui sont pas chers. Vous en avez aussi à Primark qui sont un peu plus chers, mais moins de 10€, enfin, moins ceux de 20€, franchement. C'est vraiment pas trop mal. Donc j'en ai pris un, c'est du 140 sur 190. Alors moi c'est du, mon lit c'est du 120 sur 190, mais c'est pas grave, moi que ce soit un peu grand ça me gêne pas. Donc voilà. Ensuite nous avons quoi? Des madeleines longues marbrées. Bon ça c'est, moi c'est ma gourmandise à moi. Donc les madeleines je les ai pu passer tout à l'heure à 1,29€, ce qui n'est pas cher du tout. C'est style un peu corinette. Alors j'aime bien ces madeleines là parce que ça me rappelle les corinettes de quand j'étais petite. J'aime énormément ce genre de madeleine, et quand vous savez pas quoi vous faire à manger, c'est quand même pas mal, pas mal. Donc voilà pour les madeleines qui vont atterrir à un endroit bien précis. Ensuite, lui, il s'est pris des Milka Choco and Cake comme ceci. Alors, le Milka, je l'ai vu passer. Les Milka sont à 1,49€, ce qui n'est pas cher. Donc, ça, c'est plutôt pour mon coloc parce qu'on est deux gourmands ensemble, c'est très drôle. Ensuite, pour terminer, bah, t'as la troisième la ronde du Dr Pepper, elle est juste là. Dites bonjour au Dr Pepper. Pour le 7-Up, c'est à 0,89€. Donc ça, c'est tout moi qui aime ça que lui. Enfin, quand lui s'en prend 3, moi j'en prends qu'une parce que c'est suffisant. Et il s'est pris des nouilles à son tour. Des nouilles au bœuf extra, extra piquantes. Chacun ses goûts. Moi, ça ne me tente pas trop. À 0,49€. Elles sont un peu plus chères que les classiques, mais globalement, voilà. Donc il s'en est pris au bœuf ultra piquant. Histoire quand même d'essayer. Pourquoi pas, moi j'avoue que j'ose pas trop tenter parce que les nouilles au bœuf j'y tiens pas trop. Mais globalement pourquoi pas, je sais qu'il y a dans certains magasins asiatiques tout un tas de saveurs, de nouilles et tout. Donc bon, voilà, ça fait partie un peu de ces saveurs un peu connues. Donc voilà pour notre petit haul Action. On a appris à peu près tout ce dont on a besoin ou peuvent nous dépanner. Donc voilà à peu près tout ce qu'on a appris. J'espère que ce haul Action vous aura plu, vous aura intéressé, que vous aurez peut-être trouvé des idées pour vous aussi de nourriture, de make-up ou ce genre de trucs. Il y a toujours un peu de tout, même un peu d'aménagement, de déco, ce genre de choses. Il y a un peu de tout en général quand on va chez Action, donc on se cantonne pas forcément à un truc en particulier. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker le chef vidéo si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne si c'est pas en fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 250 premiers abonnés d'ici l'été. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.